Hello, c'est Cathy. Là, vous pouvez me voir, hein, comme ça vous connaissez un petit peu ma tête pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer aujourd'hui, toujours sur Word, comment créer des étiquettes et des enveloppes sur Word. Je vais donc lancer Word, je l'ai tout en bas sur ma barre de tâches. C'est l'avantage avec Windows 7. On a la possibilité de mettre tous ces logiciels et de les épingler tout en bas. Et pour aujourd'hui, je vous montrerai comment on va créer des enveloppes et des étiquettes sur Word 2007. Je vous rassure que vous utilisiez Word 2010, 2013. Les principes de base sont exactement les mêmes avec des options évidemment en plus puisque ce sont des nouvelles versions. Mais si vous vous débrouillez sur Word 2007, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser les autres. Donc, nous allons donc cliquer sur l'onglet Publie postage qui se trouve là-haut avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez bien le ruban Publie postage tout le long avec les groupes terminés, le groupe aperçu, le groupe champ d'écriture, etc. Le Publie postage que je vous ai déjà montré. Et ici, créer, le groupe créer. On peut créer donc des enveloppes et des étiquettes, l'un ou l'autre, ou les deux, pourquoi pas. Je vais vous montrer les deux. On va commencer par les enveloppes. Je clique sur enveloppe. La fenêtre enveloppe et étiquette s'ouvre. Vous la voyez devant vous. Vous avez ici enveloppe, ici étiquette. C'est ce que nous choisirons tout à l'heure. Dans l'adresse du destinataire, ici, dans la zone, vous tapez l'adresse du destinataire, Monsieur Dupont. Vous pouvez mettre son prénom. La touche entrée. Rue Charonne, par exemple. Le numéro, vous pouvez le mettre évidemment. Vous mettez la vraie adresse. Moi, j'invente un peu. Je ne vais pas mettre de vraies adresses. Ça, c'est l'adresse du destinataire, sans aucun problème. Ici, je vais effacer cela et je vais mettre l'adresse du destinataire. Madame, truc, vous pouvez mettre le prénom, la touche entrée, rue. Alors, rue, on va dire, dans le 11e aussi, Voltaire, 75 000, on met 12, hein, même si c'est pas forcément vrai, Paris, ici. On a donc ici, dans la zone, l'adresse du destinataire ici, dans cette zone-là, l'adresse de l'expéditeur. Donc, maintenant, nous allons choisir le format de la lettre. On va cliquer sur le bouton Options, ici. Voilà. Vous avez la possibilité de changer la taille de l'enveloppe qui se trouve ici dans taille de l'enveloppe. Vous êtes en DL 110 220 mm. En général, moi, je reste sur celle-là. Vous voyez l'enveloppe en bas. C'est le format courant. Mais bien évidemment, en cliquant sur cette flèche-là, vous pouvez tout à fait choisir d'autres formats que vous voyez là en cliquant sur les formats que vous souhaitez. C'est une question de goût. Et surtout de ce que vous avez comme enveloppe. Souvent, on a les DL, celle-là. Je vais donc rester sur celle-ci. Vous pouvez changer la police de caractère du destinataire ici, adresse du destinataire police. Donc, je clique dessus et je choisis en cliquant ici. Vous faites dérouler, vous cliquez ici. Mais si vous avez une roulette sur votre souris, vous pouvez utiliser la roulette, ça va beaucoup plus vite. Je vais prendre Arial Black. Vous voyez l'aperçu ici et vous pouvez changer la taille si vous le souhaitez ici. Peut-être pas trop gros, hein, histoire que ce soit assez bien mis dans l'enveloppe. Vous pouvez changer, donc ici j'ai bien changé le style et la police, je dis OK. Et je peux changer bien évidemment la police de caractère, le style de l'expéditeur. Je vais cliquer dans police et je fais la même chose. Je clique sur celle-ci par exemple. Peu importe, c'est vous qui choisissez et vous pouvez bien évidemment changer la taille sans aucun souci. On met 14 aussi, pourquoi pas. Et je dis OK. Voilà, nous avons changé la police du destinataire et la police de l'expéditeur, ce qui n'est pas forcément obligatoire, c'est vous qui décidez. On va dire OK, ici. Comme vous pouvez le voir, on a bien changé la police de caractère de chacun et on va dire, dans ce cas-là, que l'on vient de finir nos mises en forme. Et on va prévisualiser l'enveloppe, une enveloppe avant de l'imprimer.
Pour ceci, on va donc cliquer sur Ajouter au document ici. Et on lui dit, il nous demande, hein, enregistrer la nouvelle adresse comme adresse expéditeur par défaut, on va dire non. Et vous voyez ici sur la page l'enveloppe. Il suffit alors de l'imprimer, fichier, accueil, imprimer. Vous savez déjà imprimer tout ceci. Vous pouvez l'avoir aussi l'imprimante ici. On va dire impression rapide. Et voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'imprimante. Voilà pour créer des enveloppes et les prévisualiser et les imprimer. Maintenant, je vous montre comment on va créer des étiquettes. Toujours dans l'onglet Publi Postage ici, toujours dans le groupe Créer ici. Au lieu de cliquer sur Enveloppe, je vais cliquer sur Étiquette. Et vous êtes sur l'onglet Étiquette, dans la fenêtre Étiquette et Enveloppe. Vous avez l'adresse ici, Monsieur Dupont. Et si vous voulez l'adresse de l'expéditeur, vous cliquez sur le petit carré ici avec le bouton gauche de la souris et vous avez l'adresse de l'expéditeur. Si j'enlève, j'ai l'adresse du destinataire, destinataire, expéditeur. Je vais laisser Monsieur Dupont, mais c'est vous qui décidez, bien évidemment, sans aucun problème. Pour choisir le nombre d'étiquettes à imprimer par page, on va cliquer sur le bouton Options qui se trouve ici. Je clique ici avec le bouton gauche et je vais demander 30 par page. Alors, vous en avez deux, hein. Vous avez 30 par page ici, la dimension est de la hauteur 6,67 cm, largeur 2,54. C'est plutôt l'inverse, donc je clique sur 30 par page, mais normalement, vous l'avez par défaut, je pense. Bien évidemment, la dimension, vous l'avez là, mais vous pouvez bien évidemment choisir des formats d'étiquettes que vous voulez selon les étiquettes que vous souhaitez coller sur les enveloppes. Je vais rester sur 30 par page, c'est le plus courant, sans aucun problème. Donc, on va dire OK. Pour imprimer, donc, on va cliquer sur Imprimer. Ici, si vous voulez imprimer dès le départ. Mais j'aime bien voir un petit peu comment se passent mes étiquettes dans ma page. Donc, on peut tout à fait cliquer sur « Nouveau document » ici d'abord, afin de prévisualiser ici toutes les étiquettes que vous avez dans la page. Ce qui ne vous empêche pas de l'imprimer après, sans aucun souci. Voilà un petit tutoriel donc sur comment créer des enveloppes et des étiquettes sur Word. Et je vous souhaite un bon apprentissage. Il suffit de répéter plusieurs fois, parfois, peu importe. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Vous pouvez évidemment enregistrer, hein, ou non, selon ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais dire non. Je quitte ici. Vous pouvez évidemment enregistrer, oui, hein, et mettre non. Vous connaissez le principe, on va dire oui par exemple pour cette enveloppe-là, et on peut dire toujours sur le bureau ou dans vos documents ici, évidemment, vous donnez le nom Madame Truc enveloppe, pourquoi pas, et vous enregistrez. Je vous dis à la prochaine, à bientôt.